En direct de Pampelune, nous avons l'honneur et le privilège d'avoir le dirigeant de la grande équipe de Bonne Encontre qui va nous narrer les exploits de son équipe. Amis sportifs, bonjour. Si je suis là devant la caméra à cette fin de soirée et ce début de matinée, ce n'est pas pour une, pour deux, pour... Si, c'est pour une raison. Pour vous évoquer la venue d'un joueur mondial. Un type de 2 mètres, 120 kilos, des mains comme les pelles à gâteau, capable de prendre un cigare à n'importe quel tableur de France et de Navarre. Ce garçon, monsieur, mesdames et messieurs, je devrais dire même, c'est Gérard Somnifère. Mais oui, il travaille aux abattoirs, il abat les vaches d'un seul coup de poing. Elles tombent sur le carreau. Tout le monde tremble. Joueur d'exception, pas très fort techniquement, mais des valeurs au combat, oui. Ce garçon ne prendra pas un jour au club. Rassurez-vous, vous pouvez me payer mon place à la buvette. Ce garçon joue pour les couleurs, pour la Vierge suspendue, là-haut à notre village qui est cher le clocher. Donc, n'ayez pas peur, quand vous allez croiser Gérard Somnifère, du haut de 16 mètres, de 520 kilos, il fait mec, on est bel gâteau. Tremblez pas. Et allez-y tenir, vive le RTV.